Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, on va s'amuser avec les esprits. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler deux tours de mentalisme super faciles à réaliser. Pas besoin d'être un expert. Vous pourrez ainsi bluffer vos amis et votre famille. Alors, est-ce que vous êtes prêt à devenir le prochain grand mentaliste? Oui? Eh bien, suivez-moi. Vous êtes face à vos amis et vous allez dans quelques instants leur présenter un tour avec 10 feuilles de papier cartonné. Sur l'une d'entre elles, il y a 9 dessins et parmi ces dessins, l'un d'entre eux va choisir celui qu'il souhaite. Et sans poser aucune question, vous serez capable de dire quel dessin il a choisi. Eh oui, eh bien je vais vous expliquer comment réaliser ce tour. Vous allez devoir imprimer les 3 PDF qui se trouve dans la description sous la vidéo et ensuite les découper. Vous obtiendrez ainsi 10 rectangles avec magie simple dessus et vous allez devoir les préparer de la manière suivante. Donc chaque rectangle, vous les découpez à la main comme ceci, soit avec un cutter, soit en les découpant avec des ciseaux, bien sûr. Voilà, comme ceci. Voilà, vous obtiendrez ainsi 10 rectangles avec les dessins dessus. Donc le premier, lui, est sans aucune préparation. Mais les autres auront particularité d'avoir une fenêtre découpée dans la feuille cartonnée, comme ceci. Donc vous découpez comme la première fois, premier rectangle, voilà. Alors vous allez faire ça avec les 9 autres rectangles. Donc toutes les parties blanches ou roses qui seront visibles sur les rectangles, vous allez devoir pratiquer une fenêtre en vous servant de cutter, comme ceci. Et vous faites cela avec les 8 autres rectangles. À la fin de découpage, vous aurez donc 10 planches avec des dessins dessus, donc première planche, aucune fenêtre pratiquée sur celle-ci, puis les autres auront tous une planche avec une ouverture sur chacune d'entre elles. Donc une première, deuxième, une troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième. Donc la préparation est terminée, vous allez mettre vos 9 planches préparées égalisées l'une sur l'autre et au-dessus vous allez mettre celle qui n'est pas préparée. Vous êtes donc prêt maintenant à présenter le tour. Alors vous êtes face à vos amis et vous présentez les 10 planches cartonnées et vous demandez à l'un d'entre eux de venir et vous allez lui dire la chose suivante. Voilà, tu vas penser à un dessin sans me le nommer. Donc vous prenez la feuille, vous lui montrez et vous lui tendez les 9 autres planches dans la main. Vous ne voyez strictement rien, bien sûr. Vous lui dites, voilà, maintenant que tu as pensé à ton dessin, tu vas me donner les planches où il n'y a pas ton dessin, surtout les planches où il n'y a pas ton dessin, sans me les montrer. Et lui retire de son côté, donc, les planches là où il y a son dessin. Donc vous ne voyez strictement rien pour l'instant. Imaginons que celui-ci ait pensé au ballon. Vous ne voyez strictement rien. Il retourne la feuille sur la table sans vous la montrer car il y a son dessin. Là, il n'y a pas son dessin. Il vous tend la feuille sans vous montrer les dessins. Vous la mettez automatiquement sur celle que vous avez déjà en main et ainsi de suite. Donc là, il y a ballon et donc il retourne. Il y a le ballon, donc c'est le dessin auquel il a pensé. Là où il y a le dessin, donc Vous ne voyez rien, je le répète. Donc là, il n'y a rien. Là, il n'y a pas son dessin. Donc il vous donne la feuille sans vous montrer le dessin. Vous la mettez sur l'autre planche que vous aviez en main. Et maintenant, vous allez le regarder et lui dire « Je suis capable de te dire que c'est le ballon. Pourquoi » Pourquoi? Eh bien, tout simplement, regardez, apparaît le ballon dans la petite fenêtre et c'est automatique. Quel que soit le dessin auquel il pensera, le dessin apparaîtra dans une des fenêtres. Prenons un autre exemple.
Vous lui tendez, vous lui montrez les dessins, vous lui dites « tu penses à un dessin » sans me le nommer. Imaginons qu'il pense aux lunettes. Donc, vous prenez la feuille, vous la tournez vers vous et vous lui donnez les autres planches. Donc, là où il voit les lunettes, il pose sur la table, là où il ne voit pas les lunettes, le dessin auquel il a pensé, eh bien, il vous tend la feuille sans vous montrer les dessins. Donc, les lunettes, comme il voit les lunettes sur le dessin, ici, eh bien, il pose sur la table, là aussi, il voit le dessin. Il le pose sur la table sans vous montrer, bien entendu, les dessins. Hein. Là aussi, il voit le dessin, il pose sur la table. Même chose, ici, il ne voit pas le dessin. Donc, dans ce cas, il vous tend la carte. Vous la mettez automatiquement sur l'autre feuille sans avoir vu, bien entendu, les dessins au préalable. Même chose ici, regardez, il ne voit pas son dessin. Donc automatiquement, il vous tend la feuille et regardez, automatiquement apparaît les lunettes. C'est automatique. Voilà, là il va voir le dessin, là il voit son dessin avec les lunettes, hein. Même chose ici, il voit le dessin avec ses lunettes, même chose. Donc en tendant la feuille comme ça devant ses yeux, vous lui dites « je pense que tu as imaginé les lunettes ». C'est automatique. Par contre, il y a une exception dans ce tour et elle est très facile à réaliser. À chaque fois que votre ami vous tendra les feuilles, il y aura toujours deux feuilles sur la planche que vous tenez en main. Sauf pour la raquette qui, elle, n'aura qu'une seule planche. Et dans ce cas, pas la peine de regarder la planche en tendant le bras. Comme vous savez qu'il n'y a qu'une planche qui viendra sur celle que vous tenez en main, ce sera forcément la raquette. Imaginons donc que la personne pense à raquette. Eh bien, donc vous prenez la feuille principale, il voit raquette, il pose sur la table, il voit la raquette, il pose sur la table. Ici, il ne voit pas la raquette. Donc, il vous tend la feuille comme ceci, vous la placez sur l'autre, voilà. Et ainsi, regardez, il va poser sur la table systématiquement 8 autres planches sur la table. Et vous n'avez qu'une seule planche dans la main, donc vous savez automatiquement que c'est la raquette, car il n'y a qu'une planche. Voilà. Donc pour les autres, c'est toujours deux planches, hein, et donc vous verrez dans le petit carré apparaître le dessin. Et si c'est par hasard, il choisit la raquette, vous savez que comme n'ayant eu qu'une seule planche sur celle que vous tenez en main, vous savez automatiquement que c'est la raquette. C'est facile, non ? Alors, vous allez demander à quelqu'un de venir et vous allez lui dire « Je suis capable de deviner la couleur que tu vas choisir car à l'intérieur de cette enveloppe, il y a une planche avec différentes couleurs. Et d'avance, je sais la couleur que tu vas choisir. » Donc, vous inscrivez sur votre feuille de papier la couleur en question. Vous ne lui montrez pas, bien sûr. Et vous lui dites simplement maintenant « Donne-moi un chiffre, n'importe lequel, qui figure sur cette enveloppe. » Et tu verras, je suis capable de deviner la couleur. Imaginons que celui-ci vous dise le chiffre 6. Vous lui dites, voilà la planche avec les différentes couleurs. Et tu m'as dit 6, eh bien je vais compter jusqu'à 6. Regarde, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est rouge. Tu aurais pu me dire 5, c'était jaune. Tu aurais pu me dire 4, c'est jaune. Tu aurais pu me dire 7, c'est jaune. Eh bien non, c'est rouge, tu as choisi. Eh bien regarde, je l'avais prévu, rouge. Donc le PDF se trouve dans la description sous la vidéo, il suffit de découper et de former l'enveloppe qui conviendra avec cette planche. Vous glissez le tout à l'intérieur, vous prenez une petite carte sur laquelle vous écrivez rouge, hein. La personne est face à vous et vous lui tendez l'enveloppe, vous lui dites voilà tu choisis un chiffre, n'importe lequel entre 1 et 16. Et en fonction du chiffre et de la couleur qui figure sur le chiffre, eh bien vous allez devoir sortir la planche qui se trouve dans l'enveloppe. Regardez, imaginons qu'il ait pensé au chiffre 5. Eh bien, regardez, vous allez, comme vous voyez que c'est vert, vous retirez la planche et vous positionnez le carré vert en haut à gauche. Toujours positionner la couleur du chiffre en haut à gauche. La même couleur vert si c'est vert. Si, admettons, c'était rouge, vous positionnez le carré rouge en haut à gauche. Jaune, vous le positionnez en haut à gauche. Et si c'est bleu, regardez, vous positionnez le carré en haut à gauche et ça marche automatiquement, vous tomberez sur la couleur rouge. Imaginons que celui-ci pense au chiffre 10.
Vous dites le chiffre 10, et bien vous savez que vous devez positionner le carré en haut à gauche de couleur jaune. Vous sortez, tout en parlant, vous vous arrangez donc pour positionner ce carré en haut à gauche, comme c'est jaune, hein, le chiffre est jaune, et vous tomberez automatiquement sur rouge. Regardez, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vous voyez, c'est rouge. Et là, vous pouvez lui dire, tu aurais pu me dire 9, c'est vert, tu aurais pu me dire 11, c'est magenta, mais non, tu m'as dit 10, eh bien regarde, à 10, c'est rouge, et là, vous montrez que c'est bien la couleur rouge. Ce tour est entièrement automatique, mais il ne peut être réalisé qu'une seule fois devant le même public. Et bien voilà, nous allons nous quitter. J'espère que ces deux tours de mentalisme vous ont plu. Nous allons nous donner rendez-vous pour une prochaine vidéo. Au revoir, bye bye, merci beaucoup.